La vidéo suivante, je pars de l'usine, je laisse Münchberg derrière moi et je vais direction Miltenberg. Là, on voit ce que j'avais dit, une voiture qui doit me laisser passer parce que y a des voitures qui sont garées. Ici, c'est archi courant, c'est tout à fait normal. Je disais que je vais direction Miltenberg et je vais m'arrêter. Alors on voit limitation à 30, c'est archi courant ici. Et bien sûr, nous sommes en Allemagne, donc c'est respecté. Là, si une voiture vient en face, elle doit me laisser passer et se garer derrière les voitures qui sont garées à gauche. Donc, je disais, nous allons direction Miltenberg. Je vais m'arrêter dans le village d'après qui s'appelle Freudenberg, qui n'est plus en Bavière, mais qui est dans le land des Bade-Württemberg, puisque nous allons franchir le Main. Et je vais m'arrêter là, où j'envisage d'être hébergé. Pas évident que je puisse me garer parce que manifestement il y a des fêtes sur le 1er mai. On verra. Contrairement à la France, vous êtes limité à 80 sur les départementales et nationales, ici c'est 100. Avec de transdéroutes, des tronçons comme c'est le cas là à 80. En fait, en Allemagne, il faut vraiment tout le temps avoir les yeux sur les limitations de vitesse, et c'est pour ça que l'option sur les voitures qui consiste à avoir la lecture des panneaux de signalisation est pas sans intérêt. Là, nous sommes encore dans le land, dans le secteur de Miltenberg. Nous arrivons à Kirchfurt, qui est le dernier village de cette circonscription. Petit passage à niveau, voie unique, et nous entrons une fois de plus dans une zone limitée à 30. Bon, on comprend pourquoi aussi. Nous franchissons le Main et là je suis rentré dans le land de Bade-Württemberg.
C'était le passage assez traître, il faut l'avouer. Là, nous sommes à Freudenberg. Où je vais me garer. Et ça fera l'objet de la vidéo suivante pour montrer la maison où j'envisage de me loger. Donc là, devant moi, la Bavière, derrière moi, je suis dans le Bade-Wurtemberg.